salut à toutes et à toutes, c'est Kintaro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures Kiki. Et on va dormir déjà parce que je ne suis pas endormi, on va dormir. On va continuer un peu notre petite plantation, ce qui pourrait être pas mal. J'espère en tout cas que vous tous vous allez bien. Il fait très très beau ce matin, très 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 beau. Et bien on va continuer un peu nos plantations, ce qui serait plutôt intéressant. Ah par contre si, j'ai oublié un truc. On va essayer, on va recouper du bois. Bon, je sais, j'ai la flemme d'aller. Je vous avoue une chose. J'ai la flemme d'aller en grotte. Vraiment la flemme d'aller en grotte et d'aller récupérer du charbon normal. Donc, vous savez quoi? On a du bois à profusion. D'ailleurs, on essaiera de se faire une petite. Pas ferme, mais. Comment vous expliquer ça? On va essayer de se faire un endroit où on va faire une ligne de bois. On va les faire pousser. Et puis, comme ça, après, on les récupérera. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez pas, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, bah écoutez, on va continuer. On est toujours dans ce beau petit village. Pour le moment, je sors pas. En off, j'irai. Je vais faire du minage optimisé en off. Histoire que je puisse avoir surtout du fer pour pouvoir faire un plastron. Enfin, avoir ce qu'il faut en protection, ça serait quand même pas mal. Histoire que je puisse aller un peu plus loin, commencer à affronter quelques monstres, tout bordel. Ok, merci. Bon, ben, on va le péter à la main, celui-là. Ce qui pourrait être vraiment, 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 vraiment intéressant. Je pense, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais on va essayer, n'est-ce pas? Voilà, écoutez. Après, ce qui aurait été cool dans cette série, ça aurait été d'essayer d'ajouter des modes. Mais sauf que moi, les modes, bah, je sais pas les installer. Et vu que j'ai la flemme, j'ai pas envie de me faire chier. Je vous avoue une chose. Non. Je me suis dit non. J'avais pas envie. Alors, tac, on va faire cuire quelques bûches comme ça. Voilà. Histoire de pouvoir se faire des torches. Ça pousse bien, ça pousse bien. Là, pour chanter. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Et je sais plus de quoi on parlait, mais je crois, oui, on parlait du YouTube. Ouais, du YouTube d'avant et de ceux qui étaient là avant, quoi. Ouais, c'était... Ouais, voilà, donc... ouais, je crois, de Zircoy, ouais. Ouais, et du Twix aussi, là, le petit Twix, là. Oh, putain, lui. Lui, je sais pas ce qu'il devient, lui. C'est pareil, enfin, il y a plein de personnes, maintenant, que j'ai plus du tout de nouvelles. Et je sais pas ce qu'ils deviennent, en fait. À ceux qui ont vraiment stoppé YouTube et tout le reste, j'ai plus du tout news. Bon, après, ça fait partie de la vie, hein. Je vous avoue une chose, ça fait partie de la vie. Je veux dire, les amitiés, certains restent, d'autres s'en vont. C'est comme ça, je veux dire, c'est un peu comme ça. Ce sont des choses qui arrivent, et en vrai, bon, voilà, après... C'était des gens quand même avec qui je m'entendais super, je m'entendais vraiment bien. Hein. On avait quand même pas mal rigolé et tout. Mais voilà, après c'est comme ça. Je peux rien y faire, malheureusement c'est la vie. Putain, par contre, c'est... Je peux me remarquer que ça va être hyper chiant là de me voir faire ramener de l'eau à droite et à gauche. Ça va être chiant pour vous, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça va être chiant. Ça risque d'être casse-burne. Pas... Ouf, coup il a pas eu, tu vois. Ça... Faudrait que je fasse en accéléré, non? Non. On avait dit que c'était à l'ancienne, ici. Donc on fait à l'ancienne. Voilà, on le fait à l'ancienne. Tout en parlant. Bon, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout récupérer. On va tout récupérer parce que ici je pense que c'est mort. Ici, on va pas se faire chier. Comme ça, on va tout faire là-bas. Ici, on s'en bat les cacahuètes. Putain, mais je pourrais récupérer. Ouais, mais je vais récupérer les torches, moi. On va récupérer toutes les torches. Comme ça, on sera tranquille. On va les réutiliser. Ouais, c'est avec un petit peu de nostalgie. Hein. Ça fait pas mal, hein. Ça fait pas de mal, un peu de nostalgie, je vous dis. Hein. Je vous avoue une chose, être nostalgique, ça fait pas de mal. Ça rappelle des bons moments, des bonnes périodes. C'était ce qui peut être cool, quoi. Voilà, on va se refaire une autre raie de patates. On va se faire une autre raie de patates parce que les patates, je pense qu'on va en bouffer quand même pas mal. Hein.
Les torches que j'avais récupérées sont, elles sont là. Rappelle les bons souvenirs. Hein. Et après, comme j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que putain, mais à l'époque, on aurait tué pour faire des vidéos comme ça. Hein. On aurait tué pour se dire, waouh, putain, l'autre il fait ça avec des shaders et tout, putain, mais j'aimerais trop faire pareil, waouh. Ah, j'aurais trop aimé. Et finalement. Et finalement, à la fin, ouais, mais non, off, ouais, bof. Mais là, plus en mode, ouais, bon. On veut faire autre chose, hein. Voilà, et là, on va mettre de l'eau. Là, pareil, on va faire pareil. Hein. On va se préparer tranquille. Tu t'es pas dit ça? Là. Voilà, ça, je vais pouvoir mettre une torche ici. Et on va pouvoir. Et j'ai envie de mettre. Putain, j'ai envie de faire de la citrouille aussi. J'ai envie de faire de la. J'ai envie de faire de la citrouille, ça pourrait être pas mal. Je vais tirer. Qu'est-ce que vous vient pêcher, mes pêcheurs amis? Mais je pense que ça serait pas mal. Bon, on va essayer de faire un peu de citrouille, ouais. J'ai mis une raie de patate. On va remettre une autre raie de patate. On va mettre une autre raie de carotte. Et puis ça sera bon. Voir une autre raie de patate. Attention, les carottes, ça ne sert pas à grand chose. À part peut-être à faire à reproduire les cochons là. Je sais qu'il y a quelques cochons et cochonnes qui sont par là. Pire des cas, on essaiera de les amener. Ça pourrait être pas mal. Et après, on essaiera de partir un petit peu en grotte. Hein. Ça sera pas mal. Là, si, ce que je vais faire, c'est juste délimiter le. Juste délimiter l'endroit un peu. Ça pourrait être pas mal. Là, bah, je vais pouvoir remettre des patates. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est mis comme ça? J'ai dit non. J'ai dit non, tu mets patates. Ah, j'ai dit non. Tu fais pas ça. Voilà. Allez, on va les récupérer. Et là, ouais, peut-être se mettre. Ouais, on va mettre de la citrouille là. On va être bien, vous allez voir. Là, on va être bien. Là. Ah, faut que je voie comment on fait ces putains de lanternes là. Si, ça serait pas mal. Voilà, comme ça, on pourra donner à manger aux villageois. Ils seront heureux. Ils seront très heureux. Ils seront bien. Nous aussi, on sera bien parce qu'en termes de nourriture, on sera tranquille. On pourra après aller partir en grotte, pouvoir se préparer pour aller au Nether et tout. Dans les meilleures, meilleures, meilleures conditions. On sera beaucoup, 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 beaucoup mieux. Tac. Et je fais encore un autre aller-retour. Après, on va mettre de la citrouille. Et on sera pas mal. On est encore dans ce petit. Alors, on est encore au mois de janvier, hein, mais on est encore dans cette petite ambiance. Avec cette map, on est encore dans cette ambiance Noël, c'est bien ça. Alors, j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. Bon, moi, bah, par mon nouveau PC. D'ailleurs, je suis en train de calculer, je pense que je vais changer de mic. Ouais, je pense que je vais changer de micro. Je suis en train de me tâter, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais passer sur le Elgato Wave 3. Il y a un pack 200 balles sur Amazon avec le micro plus le filtre anti-pop plus le pied et tout le bordel. Je pense que on va y passer. Je vais le faire. Et puis voilà, puis on essaiera un peu plus de se enfin, professionnaliser. Pas forcément, je veux dire, moi je suis pas. Je suis pas. Quand je veux professionnaliser. Je me comprends, je suis pas non plus. Je veux pas non plus être un gros. Être un gros des gros et puis tout le bordel, tu vois. Je veux juste. Ouais, voilà, que faire de bonnes vidéos, quoi. Bah, comme dirait une certaine personne, t'aurais capté, quoi. Vous avez capté, donc. C'est pas vraiment dans la recherche de se dire, tiens, je vais être celui qui a la plus grosse ou quoi que ce soit. Hein. Non, non, c'est tout, tout, tout le contraire.
Bon, mais ok, d'accord, mais si. Ah, mais génial, il y en a 16. On va se faire quelques torches. Et à côté, il faudra pareil, il faudra qu'on se fasse. Qu'on fasse des barres, des barreaux, histoire que puisse protéger tout ça. Ça ressemble, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça, c'est bien, ça me plaît. Alors, ça, on va mettre de la citrouille ici. Peut-être faire pareil, ouais, peut-être faire pareil là aussi. Voilà, et on mettra de la citrouille là. Je vais rechercher un dernier, deux derniers seaux d'eau, et puis on devrait être pas mal. On devrait être pas trop mal. Faudra que je refasse un autre seau quand j'aurai plus de fer. Il fait nuit. Il fait nuit. T'as, c'est bien d'avoir Dynamic Light aussi. Dynamic Light avec. Parce que oui, bien sûr, bah, tous les Minecraftiens connaissent. J'utilise Optifine. Ce qui permet. Je dis ça, mais tout le monde connaît Optifine. Tout le monde connaît. Hein. C'est le mode qui te permet d'avoir de meilleures performances sur Minecraft. Et ainsi de suite. Ça fait un bail que ça existe, Optifine d'ailleurs. Ça fait très très. Oui, ça fait très longtemps que ça existe, Optifine en vrai. Hein. Voilà, on n'est pas trop mal, on va les spioter. Ça fait très très longtemps que ça existe, Optifine. C'est une bonne. Franchement, c'est une bonne invention qu'ils ont fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Pour bien déjà. Enfin, c'est un bon mode qu'ils ont inventé sur Minecraft avec Forge. Avec tout ce qui est forge et tout le reste. Non, voilà, pumpkin, c'est ça que je veux. Avec forge et tout le reste. Forge, je crois que ça s'est arrêté, ça s'est fini, ça, je crois, forge. Voilà, et eh bien écoutez, on a un petit potager fort sympathique. On est pas mal. Ça donne quasiment rien, ça. Ça donne quasiment rien. C'est dommage qu'on puisse pas le cuire. Et on va faire cuire ces deux, trois patates. On va planquer ça dans les coffres. Si, non, je vais avoir besoin du bois. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va essayer de se faire un accès ici là pour arriver au champ et puis pouvoir aller au village sans se faire emmerder par les mobs. On essaiera de torcher on va essayer de torcher tout l'endroit et de se faire un petit périmètre de sécurité histoire de ne pas se faire emmerder par tous les mobs qui sont autour. Il faudra qu'on se fasse aussi. Ah putain oui. Je suis en train de penser, il faudra qu'on se fasse un endroit pour les cannes à sucre aussi, comme ça on sera tranquille. Mais déjà là, déjà, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui manquait là? Ah, c'est les carottes, ouais. Bah, quand on en aura un peu plus, je remettrai là. Déjà, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, des barrières. Essayer de se délimiter. Ouais. On va se mettre des barrières. On va se mettre un endroit. Un accès tranquille, propre. Histoire qu'on soit bien tranquille et puis qu'on puisse aller chercher après tout ce qu'il faut. Donc en vrai là on est pas trop mal hein, on est bien même. Hein. On est bien même, là franchement je pense qu'on est pas trop mal. Hein. Faut que je fasse des sticks. Et si on ne me trompe pas. Les barrières, c'est comme ça.
Et après, je crois que c'est autrement pour faire la. Voilà, pour faire des fences, voilà. Tac, tac. On va faire un peu plus. Tac, on va se faire d'autres torches. Voilà. Ouais, ça c'est pour moi. On n'est pas trop mal. Hein, qu'on est bien. Alors, le périmètre, on va le définir. Je sais ce qu'on peut faire. Je sais comment on pourrait faire le truc. On va le définir à partir de là. Je pense qu'après, en barrière, ouais, j'en aurais peut-être pas assez. N'aurait pas assez. Tu peux dire le tège. On va en faire d'autres. Là, ici, je vais le péter. On mettra des escaliers ici. On mettra des escaliers histoire qu'on puisse avoir une petite descente. Là, ça m'énerve, ça me perturbe. Voilà, comme ça c'est propre. Ici aussi c'est pareil, ça m'énerve, ça me perturbe. Pas grand chose pour me perturber, je sais, mais voilà, comme ça on est propre. Tac, voilà, là on n'est pas trop mal, hein. Là ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Si j'ai réagi, il me reste encore un peu de bois. Mais reviens là, toi. Je pense qu'à mon avis, il va m'en falloir pas mal. Hein. Alors, je sais pour crafter, je le sais. Je pense qu'il y en a qui vont gueuler dans les commentaires. Je sais, il y a moyen d'aller plus vite. Je le sais. Il y en a qui vont gueuler dans les commentaires. Ouais, mais tu vas trop lentement pour crafter, ça va pas. Ça va pas comme tu fais, je sais. Dites-vous que je le fais à l'ancienne. Je suis un ancien, les gens. Je le fais à l'ancienne. Et à la limite. Allez, on va en faire d'autres. Et à la limite, toutes les torches, je vais les mettre sur les fences. Sur les barrières. Et là, ici, on se fera un petit accès, là, tranquillement. Tout beau. Mais on est pas mal. Je sais que Biscotte, lui, joue plus qu'à moi à Minecraft. Hein, il doit se tirer les cheveux. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Les Minecraftiens, hein, sûr. Envie de vous, voilà, que moi, c'est. Je suis un peu comme Fanta. Là. Voilà. On va faire un de plus. Il m'en manquait encore quelques-uns. Encore manquer quelques-uns, plus le fence. Ici, on va le péter encore de 1. Et pareil, on va se faire. Alors, ça, je vais le faire en off après, parce que c'est hyper lent. Hein. C'est long et chiant. Ça, on va le faire en off. D'accord? Je ferai la protection de la base et tout le bordel, je vais le faire en off.
Parce que ça a l'air d'être. Ça va être super chiant. Ça sera super chiant à voir. Hein. Et là, encore quelques-uns. Bon, faut pas beaucoup. Je pense que là, déjà, avec 5, ça sera déjà pas mal. Oh putain, j'ai une idée. Faire un autre comme ça. On va mettre un comme ça. Tac, tac, tac et tac. Et on est pas mal. Ça va. Putain, ça, enfin, ça ressemble à quelque chose. Et là, je sais ce que je vais faire. Il va me falloir un peu plus de bois. Tac. Non. Bon, c'est pas, hein, voilà, hein. Mais bon, ça a le mérite d'être utile quand même. Aura le mérite d'être utile, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste que j'en crafte un autre. Il en manquera juste un. Là, je pense qu'on sera pas trop mal. Est-ce que j'ai pas. Ah non, putain, il va falloir que je coupe du bois. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. Bah, allez, couper du bois, c'est pas grave. Ouais, mais sauf que je suis Manu, bon, c'est pas grave. Aura un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Vais appeler ça. J'ai des petits problèmes dans la plantation 1, j'ai des petits problèmes dans la plantation 2. Ça va vous faire rire. Ça va vous faire rire, je pense. Allez, on en met un autre là. Juste en termes de torches, j'aurais pas assez, mais c'est pas grave, on va aller récupérer ceux d'à côté. On va aller en récupérer quelques-uns d'à côté. Mais déjà, là, ça fait déjà pas mal, là. Hein. Ça nous fait un bel endroit où vivre. J'en ai pas besoin. Là, j'en ai pas besoin. Putain, mais je suis con, j'en avais 26. Bon. Tac. Tac. Tac, 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 bim, bim, bim. Là, on va laisser comme ça. Ouais, ça fait deux. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Est-ce que là, on ferait pas un peu d'excès de zèle en marquant? Ouais, on va faire ça. Non. Tac. Ah, j'étais pas dit là, mais bon, c'est pas grave, comme tu veux. Je pense qu'on n'est pas trop mal, là. Hein. Je pense que là, en termes vraiment de. Bon, bah, alors là. Là, j'ai pas besoin. Je sens un zombie qui veut venir me voir. Bonjour, monsieur le zombie, vous allez bien? Moi, ça va très bien, et vous? Ah, mais moi aussi, je suis très ravi de vous voir. Hein. Voilà, merci. J'en étais où, moi? On me faire emmerder. Ah, mais il y a un bébé. Allez, là. Ici.
Et une crève. Voilà. On était où? J'en étais là. Ah, les araignées, ça va être un peu plus chiant. Et où, petite garce? Putain, mais ouais, mais ça, c'est le problème. Les araignées, ça va être le gros problème. Parce que les araignées, elles te targetent direct facilement. Donc, ça va être le plus gros problème du truc. Ah, il n'y a pas besoin que j'éclaire tout, hein. Là, j'en étais où? Gérald, j'en étais où? Là, tac. Ouais, c'est pas trop symétrique, mais c'est pas grave. Les patates, je crois que j'avais un endroit. Ça, c'était des carottes qu'il a manqué. C'est là, hein. Là, c'est des patates. Donc, on va en mettre. Bon, on est pas mal. Eh bien, écoutez, c'est. Ah, s'il me manque juste là. Il me manque juste à mettre un bloc là. Là, voilà. À mettre des torches. Voilà, faire pareil de l'autre côté. Bon, finalement, cet épisode-là, je voulais pas qu'il dure 30 minutes, mais il durera 30 minutes, hein. Voilà, il me reste une torche. Est-ce que je peux gratter? Est-ce que je peux aller en voler quelques-unes? Ouais, là, par contre, je peux. Voilà, et ça évitera qu'aux monstres de spawn. Qui c'est qui me. Ah putain, ils vont me faire chier, eux. Alors, la fin de l'épisode, ta gueule. Il a. Attends, laisse-moi me régénérer déjà. Rêve! Je crois. Et je suis mort. Bon, justement, spawn, ce qui est plutôt pas mal. Venir là, je crois, non? Il est où? Par contre, s'il pouvait me donner son. Putain, s'il pouvait tout me donner, ça serait bien. Mais je crois pas. Je crois pas qu'il va me tout donner. Non, il m'a pas tout donné. Fais voir. Ok. Si, j'ai des flèches, mais bon, ça va. Bon, mais écoutez, on va se laisser là pour cet épisode de 3. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était Kintaro. Attendez, on va dormir d'abord avant. Shot by Stray. Oh putain. On va se laisser. Attends, on va se mettre juste devant. On va se mettre juste devant là où on était. Là, sur ce beau plan là. Eh bah écoutez, avec une flèche dans la tête. Eh bah écoutez, c'était Kintaro. Je vous fais de gros bisous. Et la prochaine fois, j'avancerai un petit peu plus au niveau de tout ce qui est élevage et tout ça. Enfin. Je vais essayer d'arranger un petit peu tout ça là au niveau de l'accès et puis surtout de protéger le village et de le torcher bien comme il faut histoire qu'il n'y ait pas de monstres qui apparaissent. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous, c'était Kitao et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, bye bye tout le monde!